La sanctification implique ce que Dieu fait en nous. Et la consécration implique ce que Dieu peut faire avec nous. Bon Dieu bénit nous. Je reprends. La justification implique ce que Dieu fait pour nous. Donc, pour la justification, m'a fait un rien. Me justifier par grâce, par le moyen de la foi. C'est ce que Dieu fait en nous. C'est la justification. Personne qui n'a pas de cas justifier tête, yo. Pas de personne qui n'a pas de cas satisfaire la justice de Dieu. Ou mettre faire études, ou te mettre faire les français, ou te mettre faire doctorat, ou pas t'a satisfaire la justice de Dieu. Donc la justification, c'est ce que Dieu fait en nous. La sanctification, c'est ce que Dieu fait pour nous. Ce que Dieu fait en nous. Et la sanctification et la consécration, c'est ce que Dieu peut faire avec nous. Est-ce que l'église a bien là avec moi? Ma propre, parce que je voulais nous saisir ça. Justification, c'est ça, bon Dieu fait pour nous. Sanctification, c'est ça, bon Dieu fait dans nous. Et consécration, c'est ça, bon Dieu est capable de faire avec nous. Si la sanctification est un acte de mise à part pour Dieu, la consécration est un acte de mise à part pour le service de Dieu. Est-ce que l'église est là, s'il vous plaît? Je reprends. Si la sanctification est un acte de mise à part pour Dieu, la consécration est un acte de mise à part pour le service de Dieu. Donc, c'est comme une échelle, justification, sanctification, consécration. Là, nous parlons de justification, c'est Christ qui payait prière. Là, nous parlons de consécration, c'est vous-même qui a payé prière. Bon Dieu bénit nous. Justification, Christ, il paye prière. Mais pour consacrer à Dieu, c'est vous-même qui a payé prière. Consécration. Pour vivre une vie consacrée, il y a un prix à payer. Et la consécration en elle-même, c'est le prix payé pour atteindre une position noble. La consécration, c'est le prix à payer pour atteindre une position noble. Ou capable de sauver, ou juste là dans l'église. Mais qu'un bagage, bon Dieu, pas capable d'arriver fait ensemble avec vous. Parce que Pablo nous a dit que la consécration implique, c'est la consécration qui détermine ce que Dieu peut faire avec vous. Donc la consécration a un prix à payer. Pour vivre dans la consécration, il faut accepter, il faut être d'accord de payer le prix. Et quand on a parlé de payer le prix, il n'y a pas de consécration sans souffrance. Il n'y a pas de consécration sans souffrance.
Il n'y a pas de consécration sans discipline. Et ici, quand on parle de discipline, nous parlons de l'ordre. Nous parlons de principe. Pas de monde qui a mené une vie dans la consécration s'il n'a pas discipliné tête. Pas de monde qui a mené une vie de consécration s'il n'a pas accepté pour souffrir. Parce que pour mener une vie de consécration, ça m'a donné un renoncement à soi. Faut qu'on renonce à propre tête pas pour mener une vie de consécration. Hein? L'oubli de soi. L'homme mène une vie de consécration. Côté tout le monde qui a dit oui ou même obligé de dire non. L'homme mène une vie de consécration. Côté tout le monde capable de distrait ou même obligé de rester focus. Pendant tout le monde a dormi ou même sous genou. Pendant l'autre monde en distraction même ou au pied de la montagne. Donc pas de consécration sans souffrance. Pas de consécration sans principe, sans discipline. Et ça fait tout chrétien qui a mené vie de manière vague. Qui de dimension va arriver dans bon Dieu. Depuis qu'on a mené vie de manière vague, sans discipline. Est-ce que nous connaissons même si là qui a servi Satan yo grand pile discipline? Bien que moi-même moi lever me joindre parents l'église. Mais nous toujours tendez à dire que il y a deux monde qui a servi Satan, qui a servi diable Jean Reléoa. Yo gen jou selon ça a servi pour yo pas dormir soit sous cabane pour yo dormir tel côté pour dormir à tel couleur rad. Et yo obligé très strict là-dedans. Yo obligé respecter de manière rigoureuse. Parce que si yo pas fait, yo connaît qui ça qu'arrivé yo. Donc, voir nous-mêmes qui servi Dieu, lui demander pour nous discipliner, vie nous. Lui demander pour nous mettre des principes dans vie nous. Parce qu'on ne peut pas mener une vie de consécration sans discipline, sans principe. Il y a un monsieur, il est Glyn. Glyn, monsieur, écrit un livre. Qui c'est sept façons d'augmenter votre onction. Glyn Irakion. Monsieur dit, là où règne le désordre, règne aussi l'impuissance. Là où règne le désordre, règne aussi l'impuissance. Le contraire est aussi vrai. Là où règne l'ordre, règne aussi la puissance. Côté gain des ordres, pas gain la puissance là. Yon chrétien qui a discipliné ville. Ou pas qu'à douceur, votre serviteur de Dieu, ou pas gain l'heure pour jeûner. Ou pas gain temps pour méditer la parole. Ou pas gain temps pour écarter ou de tout le monde pour seul avec Dieu. Ça m'a des disciplines. Faut ou bay tête ou des obligations. En tant que servante, serviteur de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Mais qui ça, apôtre Paul dit? Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres.
Je traite durement mon corps. Paul, by call yon discipline. Et ceci yon discipline qui rigoureuse, qui stricte. Et dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. M'a prédit ça pour nous. Pour vivre dans la consécration, il faut accepter de payer le prix. Pour vivre dans la consécration, il faut accepter de payer le prix. Ou qui ne va pas songer l'autre Samson dit là yo. Question mot grec, mot hébreu, ou qui ne va pas songer à ça yo. Même vle au kembe ça. Pour vivre dans la consécration, il faut accepter de payer le prix. Il faut accepter de payer le prix. Si nous prenons un exemple, un chanteur par exemple, il m'a rappelé, on pas oublier consécration, nous dit que c'est prix à payer pour atteindre un niveau noble. Si nous prenons un exemple, un chanteur. Yon chanteur, pendant qu'on a chanté ou remé j'en chanté, mais le gon pri le paye, oui. Li gon pri le paye pour le rive chanter. L'or a chanté, par exemple, ou pas qu'à manger tout bagay, non? Oui. Ou pas obligé pas qu'à manger tout bagay. Pour qui ça? Ou a conservé. Wow. Ça son prix ou à payer. Ou que nous remé bagay la. Bagay la ou envie manger. Mais le fait que ou connaît ou besoin voix pour chanter, donc ou obligé ou pas ka manger. Donc ou obligé payer prix ya. Yo raconte nous histoire. Peut-être une histoire que nous sommes capables de connaître. Une histoire de un grand nageur. Monsieur Michael Phelps. Monsieur, c'est un Américain. Il fête le 30 juin 1985. Monsieur, c'est un sportif qui remportait plus de médailles dans les Jeux Olympiques à Pékin, en Chine. Je t'ai remporté 8 médailles en 2008. 8 médailles d'or en 2008. Le map, c'est une vidéo disponible sur Internet. Le map, gardé Phelps qui a nagé. Ou est son bagaille extraordinaire. Tellement Phelps rapide le lapnage. Remporté 8 médailles d'or en 2008, ça n'a pas fait chaque jour. Donc c'est un exploit que Phelps avait réalisé. Mais le fait que Phelps rive fait exploit ça, est-ce que rive fait du jour au lendemain? Est-ce que c'est jeudi à Phelps lever et puis demain, si Dieu veut, lui gagner 8 médailles d'or? Est-ce que moi-même, là, par exemple, son plombier, marron de l'eau, quand il lever demain, si Dieu veut, nous disons que nous avons gagné 8 médailles d'or dans les Jeux Olympiques. Je ne suis pas capable de faire ça.
Bon, son plombier, il me tombe dans de l'homme coulé. Mais le fait que Phelps arrive à obtenir 8 médailles d'or, ce n'est pas un hasard. Au préalable, il avait payé un prix. Il s'était consacré. Et le fait qu'il a obtenu 8 médailles, tout média, nous avons imaginé tout média, appelé pour faire l'interview, poser la question, etc. Demander comment si, comment ça, etc. Même si l'homme nous sortit dans un concours. Donc, les médias sont toujours là pour interroger, pour poser la question de ceci, de cela. Tout les médias sont capables de faire ce micro. Mais est-ce que les Phelps sont à consacrer, est-ce que les médias sont là? Non. C'est ça que Mathieu m'a envie de dire que la consécration généralement se fait dans le silence. Bon Dieu bénis nous. Généralement, la consécration se fait dans le silence. Mais en pile fois, le fruit de la consécration, toujours spectaculaire. La consécration, la fête dans le silence.